Great Onatsol, bonjour. Vous êtes arrivé ici le 1er juin comme notre nouveau directeur. Je voudrais demander, pourriez-vous vous présenter et nous dire un peu ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Serge, en effet, moi j'ai travaillé 20 ans dans le domaine des ressources humaines. J'ai commencé chez DNB en 2004. Avant, je travaillais pour des grands noms sur le marché comme Alcatel, Diners Club, Sony, Alfa Laval. Donc 20 ans dans HR aussi, quand j'ai commencé chez DNB, c'était pour HR Benelux. À ce moment-là, on était dans une phase d'une réorganisation stratégique de certaines divisions en Europe. Et c'est un projet qui a duré environ 2 ans. En même temps, on a donné beaucoup de focus au développement du talent de notre société, notre leaders, parce que nous croyons très fort qu'en fait la qualité de notre société est directement liée au talent, au leadership de nos équipes. Après le HR, c'est après les 2-4 années, j'ai commencé des projets en Europe et principalement à mettre en place des nouvelles équipes en Pays-Bas, donc tout près, mais aussi à Dublin l'année passée. Il y a 2-3 ans, on a décidé de tout qui concerne les services qui sont en contact direct avec notre data ou bien avec les services aux clients, que nous voulons en fait remettre chez nous-mêmes, dans notre maison, dans notre leadership, pour améliorer toutes les interactions qu'on a avec nos clients. Donc à Rotterdam, on a commencé en 2009 et puis l'année passée, on a former une nouvelle équipe de Business Investigations à Dublin, une trentaine de personnes. Après, donc à partir du 1er juin, j'ai commencé ici comme Market Leader Belgique où j'ai des bons projets ensemble avec l'équipe Management Belgique. Donc ces dernières années, vous avez fait pas mal de projets au niveau européen chez DNB. Maintenant, vous revenez en Belgique. Quelles sont un peu vos premières impressions de DNB Belgique et de son team? Pour l'instant, enfin, on parle de premiers 100 jours où on se fait une idée vraiment du marché, une idée de l'équipe, quelle est what is defining reality. J'ai l'avantage que effectivement j'étais chez DNB déjà plus que 7 ans, donc il y a pas mal de choses qui sont pas vraiment nouveaux pour moi, mais j'ai bonne équipe là de leaders qui sont là pour m'aider à être familiarisé avec tout qui roule sur le marché belge. Je veux apprendre beaucoup plus ce qui vit dans notre clientèle. Comme on est une société qui est notée au stock exchange, pour moi le premier goal sera ensemble avec l'équipe sécuriser notre vente. Pour moi aussi, notre passion, c'est tout qui concerne la satisfaction de clientèle. Donc tout là, je prends d'une manière très personnelle que je veux qu'en fait, toutes les relations qu'on a, donc c'est un goal, que c'est vraiment une relation qui vaut quelque chose en plus pour nos clients. Et après, en fait, c'est pas le moins important, c'est un des plus importants facteurs, c'est les équipes, c'est l'équipe. C'est tout le monde personnel ici que j'aimerais bien, qui sont très doués et très passionnés de travailler avec nous en équipe et pour obtenir les meilleurs résultats pour la Belgique, pour maintenant et pour l'avenir. Grete, un grand merci parce qu'en fait tu as répondu aussi à ma prochaine question qui était quels sont en fait tes plans pour le futur, mais tu as un peu répondu déjà à la question, donc c'est super, ben, il ne me reste plus que de te souhaiter beaucoup de succès chez DNB Belgique. Merci Serge.